Salut tout le monde, bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Jean-René et je suis un des pasteurs ici à La Chapelle. On est dans une série qui s'appelle « Nous, l'Église en 2021 ». Et ce dimanche, c'est le pasteur David Potier qui va apporter le message. Et on va aussi chanter avec La Chapelle Musique. Tous les dimanches, il y a des personnes qui se joignent à nous pour la première fois. Si c'est ton cas, je suis vraiment content que tu sois là. Je suis certain qu'on va passer un super temps ensemble. Mais juste avant, j'ai quelques annonces pour toi. C'est aujourd'hui qu'on lance La Chapelle Gatineau. Ça fait presque 2 ans que Josias Laporte, sa femme Déborah et toute l'équipe de La Chapelle Gatineau préparent le terrain là-bas. Et je suis certain que ça va être une journée qu'on n'oubliera pas de sitôt. C'est complètement malade de voir ce que Dieu fait au Québec en ce moment. Et je suis convaincu que ce n'est que le début. Et à Josias, Déborah et toute l'équipe de La Chapelle Gatineau, on est tellement contents pour vous. Bravo gang! Maintenant, j'ai une annonce importante concernant la réunion de 9h45 à Montréal. Dimanche prochain, le 24 octobre, nous serons exceptionnellement au Collège Jean Heard, incluant La Chapelle Junior. On va retourner au Rialto la semaine suivante, le 31 octobre. Donc, réserve ta place et celle de tes enfants tout de suite sur notre site web. C'est vendredi qui s'en vient, le 22 octobre, que La Chapelle Musique lance son 2e album intitulé Chapitre 2. On a déjà écouté « Mon âme est tranquille » et « Tout est possible en toi » ici même à La Chapelle en ligne. Mais le reste de l'album est tout aussi génial. Manque pas sa sortie le 22 octobre prochain sur toutes les plateformes. C'est maintenant le moment du message de David Potier, mais juste avant, on va louer Dieu avec La Chapelle Musique. Tu es ma force.
Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chapelle. On poursuit aujourd'hui notre série « Nous, l'Église en 2021 » et le titre d'aujourd'hui « Une Église d'hospitalité dans un monde post-chrétien ». L'auteur, Philip Reeve, qualifie l'histoire occidentale en trois phases distinctives. La première, c'est la phase pré-chrétienne. Dans cette ère-là, les sacrifices d'enfants, c'était quelque chose de commun. Les gens croyaient dans les dieux, dans les déesses, et c'était très, très répandu. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est ce qu'il appelle la phase de la culture chrétienne ou christianisée, on pourrait dire, parce qu'une culture chrétienne, ça n'a jamais vraiment existé. Ça a toujours été un mélange de culture chrétienne et de paganisme, et plus tard de culture chrétienne et de sécularisation. Mais la phase de la culture christianisée, où la norme culturelle te poussait vers le christianisme, ça, c'est l'Angleterre d'il y a 100 ans, les États-Unis des années 50, ou le Québec des années 40 ou 50. Et dans cette phase-là, les valeurs du christianisme, d'égalité, de justice, de liberté, se sont répandues comme étant la norme en Occident. Tout ça, ce n'est pas le résultat de l'évolution de la conscience humaine. Tout ça, c'est le résultat des enseignements de Jésus qui ont été appliqués par des disciples de Jésus. Et la troisième phase de l'histoire occidentale, c'est ce qu'on appelle la phase post-chrétienne. Cette phase, on est dedans aujourd'hui. Et on ne se rend pas compte à quel point, dans une société post-chrétienne, les valeurs chrétiennes sont encore ancrées très, très profondément. Que ce soit les gens de droite ou de gauche, peu importe, les valeurs chrétiennes sont encore là très, très, très fortes. Et une culture post-chrétienne, ce n'est pas une culture où on a laissé la culture chrétienne pour passer à autre chose. Une culture post-chrétienne, c'est une culture où on est en réaction à la culture chrétienne. C'est pour ça que plusieurs de nos amis qui ne suivent pas Jésus sont plus ouverts au bouddhisme qu'au christianisme. À l'islam même parfois qu'au christianisme, parce que la culture post-chrétienne, c'est une réaction à la culture chrétienne. Et cette nouvelle ère d'une culture post-chrétienne a complètement transformé notre société. Moi, je suis un enfant des années 80. Puis je peux vous dire, ça fait pas si longtemps, là, mais je suis étourdi à chaque année, de voir à quel point le monde change vite, à quel point les valeurs ont changé à une vitesse grand V, à quel point tu te lèves un matin et tu n'as plus le droit d'utiliser ce mot-là. Hein, depuis quand? Depuis hier, tu n'as plus le droit. Ça change vite. Et si tu te sens étourdi par tout ça, laisse-moi dire que tu n'es pas le seul. La question, c'est comment on fait pour inviter des gens à découvrir la vie qu'il y a en Jésus. Parce que si tu connais Jésus, il y a une lumière en toi, il y a de l'amour en toi, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Comment on fait pour inviter les gens dans cette vie-là, dans une ère post-chrétienne? Il y a différentes options. La première, on le fait juste pas. C'est trop dur, c'est trop difficile, on fait profil bas, on marche la tête basse. Deuxième option, c'est d'éditer le message de Jésus, de tronquer le christianisme, d'enlever du message de Jésus tout ce qui est offensant pour une culture post-chrétienne. Mais le problème avec ça, c'est que ça pervertit le message de Jésus. Et l'autre problème avec ça, c'est qu'on doit rééditer à tous les 5 ans parce que ça change constamment. Ou il y a une autre option. Et cette option, c'est une pratique qui remonte à Jésus lui-même et qui transcende le temps et les tendances. C'est la pratique de l'hospitalité. Pour rejoindre un monde post-chrétien, il va falloir que l'Église apprenne à pratiquer l'hospitalité. On va lire ensemble une histoire formidable d'hospitalité pratiquée par Jésus lui-même. Luc chapitre 19, verset 1. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était le chef des péagers et qui était riche. Les péagers, c'est ce qu'on appelait les publicains, c'est la même chose. C'était des collecteurs d'impôts, c'était des collecteurs de taxes. Le chef des publicains qui était riche cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre. » Jésus ne le connaît même pas, il ne l'a jamais rencontré, mais Jésus connaît son nom. « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. »
Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait quelque tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Cette histoire, on la lit d'une façon sentimentale. Surtout si tu as grandi dans l'Église. Hein? C'est comme, ah, oh, Jésus aime tout le monde, même les petites personnes. Je ne sais pas comment tu peux voir cette histoire-là. Mais en fait, c'est une histoire d'hospitalité. C'est une histoire qui raconte comment Jésus a ouvert, a créé un espace favorable pour que la présence de Dieu puisse être une force transformatrice dans la vie de quelqu'un qui en avait besoin. Les premiers lecteurs de l'Évangile de Luc, lorsqu'ils ont lu cette histoire, ont dû être offensés. Nous, on trouve ça cute. Pour eux, ça n'avait rien de cute. Voici pourquoi, pour deux raisons. Premièrement, parce que Zachée est un publicain, un péager, un collecteur d'impôts. Il faut se souvenir qu'à l'époque, au premier siècle, à l'époque de Jésus, Israël est occupé par l'Empire romain. Et les péagers, les publicains, c'était des collecteurs de taxes qui travaillaient à la solde des Romains. Et le Romain disait, nous, on veut 50 % d'impôts. Pour le reste, fais ce que tu veux. Alors, les publicains pouvaient charger ce qu'ils voulaient. 50 % pour Rome, un autre 20 % pour moi, un autre 10 % pour moi. Une journée, ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 30. Il peut faire ce qu'il veut en autant que Rome ait son 50 %. Les péagers étaient littéralement des voleurs. Et ces gens-là qui étaient des Juifs, imagine-toi, ils trahissent leur propre nation. Ces gens-là qui étaient des Juifs avaient toute la puissance militaire romaine derrière eux pour voler leurs confrères et leurs concitoyens. Pouvez-vous imaginer comment ces gens-là étaient détestés? Dans le bas de l'échelle de la moralité à l'époque, il y a les prostituées et les publicains. Mais avec qui Jésus mangeait-il si souvent? Les prostituées et les publicains. Il y en a qui disent, c'est formidable, c'est extraordinaire. Jésus est tellement inclusif, Jésus est tellement progressiste, Jésus est tellement anti-fondamentaliste. Tu réagis comme ça parce que tu n'es pas à cette époque-là. On va le transposer à notre époque un peu. Imagine-toi, Jésus mange avec les gens qui sont au bas de l'échelle sociale. Imagine-toi Jésus qui décide d'aller manger chez les Talibans, avec des terroristes d'Al-Qaïda. Imagine-toi Jésus qui décide d'aller manger avec un groupe de suprémacistes blancs. Imagine-toi Jésus qui a décidé d'aller manger avec toute la gang qui ont été reconnus coupables d'agressions dans les dernières années avec le mouvement MeToo. Et c'est une bonne chose en passant, c'est une bonne chose. Mais imagine-toi Jésus qui décide d'aller manger avec cette gang-là en prison. Comment tu te sentirais? Offensé? Probablement. C'est de cette façon-là que ces gens-là se sont sentis offensés. Ils sont offensés parce que Jésus mange chez un publicain, mais ils sont offensés aussi parce qu'à leur époque, encore pire qu'aujourd'hui, le repas a une signification profonde, profonde. Le repas, c'est un symbole de communion. Dans toutes les époques, le repas, ça a été un outil pour connecter les gens, pour rassembler les gens. Mais aussi, ça a déjà été un outil pour séparer les gens. Il y a ceux qui sont inclus, il y a ceux qui sont exclus. On peut se souvenir dans les années 60, avant, aux États-Unis, les restaurants, où il y avait des affiches, il n'y avait pas de noir, no black. En Angleterre, il y avait la même chose, il y avait des affiches, no black, no Irish, no dogs. Et ça, c'est facile à juger pour nous aujourd'hui dans notre contexte. Mais même dans nos villes aujourd'hui, nos villes progressistes et ouvertes en Occident, avouons-le, on mange seulement avec nos amis, seulement avec notre famille, seulement avec les gens qui nous ressemblent, qui ont le même style que nous, le même intérêt que nous, la même couleur que nous. En tout cas, s'ils n'ont pas la même couleur, ils ont la même culture. Ah, mais non, moi, je mange avec des gens de des couleurs différentes. Ouais, peut-être, mais ils ont la même culture. Il y a la même culture que toi. Ah non, non, mais moi, la plupart d'entre nous, là, c'est qu'on mange avec des gens qui nous ressemblent. Et si c'est vrai aujourd'hui, laissez-moi vous dire, à l'époque de Jésus, c'était encore plus vrai. Voici pourquoi. Parce que
En 587 avant Jésus-Christ, les Babyloniens sont venus, ont ravagé la ville de Jérusalem, détruit le temple et ont déporté une partie des Juifs à Babylone. Le temple a été détruit, l'autel a été renversé, les sacrifices ont cessé, la prêtrise a disparu. Mais comment tu fais, si tu es un Juif à l'époque, pour mettre en application les commandements de la Torah? Comment tu fais? Sans temple, sans sacrifice, sans prêtrise, c'est impossible de pratiquer la Torah. Alors les rabbins, qui étaient brillants, sont venus avec un nouveau paradigme. Ils ont dit ceci, OK, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de temple, mais ta maison, c'est le nouveau temple. Ta table, c'est le nouvel autel. Le père de famille, c'est le nouveau prêtre. Et le repas, c'est le nouveau sacrifice. Et ça semble bien, ça semble être une bonne idée. OK, ça a l'air intéressant. OK. Mais là arrivent les pharisiens. Tranquillement, le mouvement pharisien arrive. Et les pharisiens se disaient ceci. L'exil, là, le fait que les Babyloniens nous ont renversés, ont tout détruit notre ville, c'est à cause du péché. Et si on veut sortir de l'exil, ça va prendre moins de péché. Et à l'époque de Jésus, c'est seulement le tiers des Juifs qui sont revenus de l'exil. Il y a encore un deux tiers de Juifs qui habitent dans d'autres pays en dehors de la terre d'Israël. Les Romains sont toujours les dominants. Alors pour plusieurs Juifs à l'époque de Jésus, pour eux, ils sont toujours en exil. Et les pharisiens se disaient ceci. Si tout Israël pourrait observer la loi pendant une seule journée, si tout le monde fait pratiquer la Torah pendant une seule journée, il y a quelque chose qui va débloquer. Le Messie va revenir, l'exil va prendre fin et on va enfin entrer dans cette nouvelle ère qu'eux appelaient le royaume de Dieu. Alors les pharisiens avaient décidé de demander à tout le monde de vivre selon les commandements qui étaient imposés aux prêtres dans l'Ancien Testament. Seulement aux prêtres. Mais les pharisiens ont décidé de superposer ça sur tout le monde. Parmi les commandements que les prêtres devaient appliquer, c'est que eux ils faisaient du service par alternance dans le temple. Et pendant leur service, ils pouvaient pas toucher un mort. Si quelqu'un de leur famille mourait, ils pouvaient pas le toucher. Ils pouvaient pas toucher un malade. Ils pouvaient pas manger avec un non-juif pendant leur service. Ils pouvaient pas manger avec un pécheur, avec quelqu'un qui n'observe pas la Torah pendant leur service. Et lorsque les pharisiens ont dit, on va appliquer ça à tout le monde, ce que ça a produit, c'est que tous les commandements dans la Torah qui parlaient d'hospitalité, qui parlaient d'aimer l'étranger, d'accueillir les migrants, la pensée pharisianique est venue à extirper ça de la pratique des Juifs en général. Et les Juifs sont devenus encore plus et encore plus ethnocentriques, complètement fermés aux autres. Alors, un rabbin à l'époque de Jésus n'aurait jamais, jamais mangé avec un publicain. Jamais. Certains théologiens disent que Jésus était tué à cause des gens avec qui il a mangé. Vois-tu, pour Jésus, le repas, c'est le symbole tangible que tout le monde est invité dans le royaume de Dieu. Et Jésus mangeait avec des publicains et mangeait avec des prostituées. Ce n'était pas une exception pour lui, c'était plutôt son mode de vie. Comment on peut savoir ça? C'est qu'il avait une réputation d'être un glouton et un buveur de vin alors que ce n'était pas vrai. Pourquoi il avait cette réputation-là alors que ce n'était pas vrai? Parce qu'il se tenait avec des gens qui étaient des gloutons et des buveurs de vin. La table a une place centrale dans le ministère de Jésus. Si on lit l'évangile de Luc, il y a 50 références à Jésus et la nourriture. Robert Caris a dit ceci. Dans l'évangile de Luc, soit Jésus s'en va à un repas, soit Jésus est à un repas, ou soit Jésus revient d'un repas. Jésus était tout le temps en train de manger. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu manges comme Jésus, sans marcher comme Jésus, il faut que tu fasses attention parce que tu vas te retrouver à ressembler à Bouddha. Et avez-vous remarqué comment l'histoire finit? Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu. Car le Fils de l'homme est venu. Et les gens qui ont entendu cette histoire-là de l'Évangile de Luc pour la première fois, les premiers lecteurs, en fait, c'était les premiers auditeurs parce que les livres ne circulent pas. Il y a peu de manuscrits. Alors, tu as un pasteur dans une église qui lit l'Évangile de Luc à la congrégation. Alors, c'était plus des auditeurs. Eux, ils avaient une oreille très fine. C'est une culture, une tradition orale. Et ils sont habitués d'entendre et de répéter. Et lorsque, dans l'histoire racontée ici, lorsque ça dit que le Fils de l'homme est venu, eux, ils ont fait, « Oh, attention! » On a entendu ça à un moment donné. On a entendu ça
chapitre 7, verset 34, qui dit « Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. » Et vous dites « C'est un homme qui fait bonne chère et un buveur de vin, un ami des péagers et des pécheurs. » OK, le Fils de l'homme est venu dans l'histoire de Zachée, sauver ceux qui étaient perdus. Chapitre 7, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et Tim Chester, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle A Meal with Jesus, lui, ce qu'il dit, c'est que ces deux versets-là viennent exprimer la mission de Jésus et la méthode de Jésus. La mission de Jésus, c'est quoi? C'est Luc 19, 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça, c'est la mission de Jésus. Mais Chester dit, l'autre référence, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Il dit ça, c'était la méthode de Jésus, la mission de Jésus, sauver les perdus. La méthode de Jésus, manger avec les gens. Comment Jésus a fait pour faire entrer des gens qui étaient hostiles, des gens qui étaient loin du royaume de Dieu? Comment Jésus a fait pour faire entrer des gens qui étaient loin, pas hostiles, des gens qui étaient loin du royaume de Dieu? Il a fait rentrer dans le royaume un repas à la fois. Voyez-vous, la méthode de Jésus pour aller chercher des gens qui étaient loin du royaume, c'était l'hospitalité. Jésus évangélisait autour de la table. Maintenant, si t'es comme moi, le mot évangélisation, c'est une relation amour-haine avec ce mot-là. Hein? Parce que quand on pense évangélisation, plusieurs d'entre nous, on pense, oh, aller cogner aux portes, ou on pense aux chrétiens qui donnent des traités dans la rue, ou on pense aux prédicateurs qui prêchent sur le coin des rues. Je crois que dans une ère post-chrétienne, on doit repenser l'évangélisation. Parce que trop de gens sentent qu'on veut les attraper avec quelque chose. J'étais en vacances il y a plusieurs années avec ma femme dans le sud, puis il y avait un couple qui était là, super gentil. Beau couple, super gentil, ils nous parlent, puis ils semblent avoir d'intérêt pour nous. Puis après une journée ou deux, on a commencé à voir d'où venait l'intérêt. La fille était une représentante d'une compagnie de cosmétiques et c'était une compagnie qui faisait du marketing de réseau. Et puis, elle voulait nous embarquer. C'était genre, regarde, je fais 100 000 par année avec ça. Si tu embarques avec moi, toi aussi, tu vas faire 100 000 par année. Puis tu sens que la relation est utilisée pour quelque chose d'autre. Peut-être que ça t'est déjà arrivé, hein, pour te vendre des produits, quelque chose. On t'invite à manger, puis après 30 minutes, on sort le pamphlet puis on le met sur la table. Toi aussi, tu peux embarquer là-dedans. Ou bien tu as des problèmes financiers. Là, il y a quelqu'un qui dit, « Hey, moi, là, je suis un conseiller financier. Je vais te rencontrer pour t'aider dans tes finances. » Puis la personne sort de là. Puis la première chose qu'elle se rend compte, c'est qu'elle vient d'acheter une assurance vie alors qu'elle n'a pas une scène puis qu'elle est hyper endettée. Et si parfois les gens sentaient que l'évangélisation est faite de cette manière-là, qu'on veut les attraper, qu'il y a un hameçon, qu'il y a une autre motivation derrière ça. Et si parfois l'évangélisation ressemblait plus juste à un marketing de réseau? Vois-tu, Jésus avait des méthodes d'évangélisation différentes. Avec les gens qui étaient proches du royaume, Jésus prêchait. Jésus sortait le mic, puis prêchait à la foule. Puis je crois que c'est encore pertinent aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de gens qui sont proches du royaume. Il y a plein de gens qui ont un éveil spirituel. Il y a plein de gens qui cherchent quelque chose. Il y a plein de gens qui ont un background d'église, qui ont été blessés par l'église, qui ont délaissé l'église. Il y a plein de gens qui sont proches du royaume. Et je crois que c'est encore pertinent aujourd'hui, lorsque des gens sont proches du royaume, de sortir le micro et de prêcher la parole. Je crois que c'est encore pertinent et ça va toujours, toujours l'être. Mais avec les gens qui sont loin du royaume, qu'est-ce qu'on fait? Avec les gens qui n'ont aucun intérêt pour aller à l'église, avec les gens qui n'ont jamais le pied dans une église ou qui ne mettront jamais le pied dans une église, qu'est-ce qu'on fait? Voici la méthode. On ouvre nos maisons, on mange des longs repas, on passe du temps avec eux, on parle de la vie, on parle de choses profondes, on écoute, on aime. Ça, c'est la méthode d'évangélisation, de prédilection pour ceux qui sont loin. Et on vit dans une société post-chrétienne où les gens sont loin. Joachim Jérémias a dit ceci, « L'inclusion des pécheurs dans la communauté du salut à travers la table de communion est l'expression la plus significative de l'amour rédempteur de Dieu. »
L'hospitalité, c'est l'évangélisation du 21e siècle. L'hospitalité, c'est l'évangélisation dans une culture post-chrétienne. Et c'est intéressant de regarder le mot grec qui est utilisé dans la Bible pour hospitalité, c'est le mot philoxenia, qui vient de deux mots. C'est un mot fait de deux mots. Philo, qui veut dire amour, hein? Et xénos, qui veut dire l'étranger, le réfugié, l'immigrant. L'hospitalité, c'est donc l'amour de l'étranger. Oh, by the way, faut précision, OK. C'est philo, ça veut dire amour non érotique. Parce que sinon, aller sur Tinder, ça serait de pratiquer l'hospitalité. C'est l'amour de l'étranger. Non, c'est pas ça que je parle. Okay. C'est un amour non érotique. C'est l'amour de l'étranger. L'hospitalité, la philoxénia. Et en fait, la philoxénia, c'est le contraire de la xénophobie. La xénophobie, qui est la peur de l'étranger, l'opposé de la xénophobie, c'est l'hospitalité. Jésus pratiquait l'hospitalité et Jésus a commandé à ses disciples de pratiquer l'hospitalité. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs commandements. Romains 12 dit « exercer l'hospitalité ». Et le mot « exercer » ici dans le grec, ça veut dire faire quelque chose avec un effort intense et avec un but défini. Il y a un but défini. Il y a une raison pourquoi je fais ça et je le fais avec un effort intense. 1 Pierre 4 dit ceci, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. » Il y en a qui disent, « Je suis introverti, j'aime pas ça, je suis pas capable. » Sans murmurer. Hébreux 13, « Persévérez dans l'amour fraternel. » N'oubliez pas l'hospitalité parce que c'est tellement facile de faire nos trucs, de persévérer dans l'amour fraternel. On est entre frères, on est entre sœurs. Et d'oublier l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns à leur insu ont logé des anges. Wow! C'est fou, pareil. Plein de gens se disent, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas pratiquer l'hospitalité. Voici une des raisons pourquoi plein de gens se disent qu'ils ne peuvent pas. C'est parce qu'aujourd'hui, on a confondu l'hospitalité avec le divertissement, avec l'entertainment. Hein? On pense que l'hospitalité, là, c'est les trucs qu'on voit sur Instagram, une table de 50 pieds de long, dehors, avec les lumières au-dessus de la table, et tout est placé à la perfection, chaque chose est parfaite, les couverts sont parfaits, le look est parfait, le monde à la table, on a tous l'air de des modèles suédois, hein, de 6 pieds et plus, les filles sont toutes belles, maquillées, juste un peu, pas trop, juste un peu maquillées, juste pour dire que t'es sophistiqué, mais pas trop sophistiqué, juste pour dire que t'es féministe, mais t'es pas trop féministe, juste correct, juste assez. Si ça, c'est l'image qu'on a de l'hospitalité, on ne pourra pas la pratiquer parce que la vérité, là, c'est que si ça te correspond vraiment, c'est correct. Mais la réalité, c'est que 90% d'entre nous, ce n'est pas ça qu'on est. 90% d'entre nous, on ne peut pas faire ça. Il y en a, tu es un étudiant, tu vis dans un dortoir d'étudiants. Il y en a, tu as des enfants. Tu vois ce qu'ils vont faire à ta table, tes enfants, si tu essaies de faire ta table Instagram. Ça ne marchera pas. Hein? Il y en a, t'es pas bon en cuisine. Il y en a, ta vaisselle, il ne fit pas ensemble. Tu n'as même pas des couverts qui fit ensemble. Il y en a, tu es comme moi, tu n'es juste pas suédois. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu peux quand même pratiquer l'hospitalité? Oui, parce que l'hospitalité, ce n'est pas du divertissement. L'hospitalité, c'est à propos de l'inclusion, alors que le divertissement, c'est à propos de l'exclusion. L'hospitalité, c'est à propos du service, de servir les autres, alors que le divertissement, c'est à propos juste d'une performance. Hey, regarde comment c'est bon, regarde comment je suis bon, regarde comment je suis capable de placer mon couvert, de faire de la bonne bouffe, de bien te recevoir, etc. Dans l'hospitalité, la ligne entre les invités et l'autre, elle est floue, parce que c'est une affaire de ensemble. Alors que dans le divertissement, la ligne entre l'invité et l'autre est vraiment très, très claire. Dans l'hospitalité, l'hospitalité, c'est une façon de vivre. Alors que le divertissement, c'est sporadique, de temps en temps. L'hospitalité, non, c'est une façon de vivre. L'hospitalité, c'est un acte de générosité. Alors que le divertissement, c'est un acte de réciprocité. Hein? Je t'ai invité, maintenant je m'attends à quelque chose. L'hospitalité, c'est un acte de justice. C'est une hospitalité qui se pratique vers les gens qui sont moins privilégiés que nous. On cherche à aider ces gens-là. On cherche à être en communion, pas aider, on cherche à être en communion avec ces gens-là. Parce que c'est pas genre, ah oui, les plus démunis, il faut que nous qui sommes tellement privilégiés puissions faire quelque chose pour les aider et tendre la main vers eux. Non, c'est pas ça. Non. C'est
c'est que je suis appelé à être en communion avec eux. Je suis appelé à pratiquer une hospitalité qui n'est pas juste de chercher à monter les échelons, mais à pratiquer l'hospitalité avec des gens qui sont différents de moi. Le divertissement, c'est des strates. Hein? C'est telle gang, tel style, tel genre qui se réunit ensemble. Ce n'est pas du divertissement, c'est de l'hospitalité. Puis, il y en a, tu as des excuses. C'est comme, ah, chez moi, c'est à l'envers. Fais le ménage. Ma maison n'est pas grande. Invite juste deux personnes. J'ai un coloc. Mets-le dehors. Mais non, invite-le. Je suis pas bon pour cuisiner. Commande la bouffe. Je suis introverti. Ça va te faire du bien. J'ai des enfants. Invite du monde qui ont des enfants aussi. Il y a des façons de faire pour pratiquer l'hospitalité. Puis il y a plein de monde, by the way, qui n'ont pas d'enfants, qui sont vraiment, vraiment amoureux des enfants et que ça ne lui tape pas ses nerfs d'être avec des enfants qui courent partout. Il faut arrêter de trouver des excuses pour pratiquer l'hospitalité, l'amour de l'étranger qui était au cœur des pratiques de Jésus. Qu'est-ce qui se passerait si on se mettait à pratiquer l'hospitalité? Les premiers croyants ont pratiqué ça, ils ont changé le monde. 120 personnes après la résurrection de Jésus dans la chambre haute. En 300 ans, la majorité des citoyens dans l'Empire romain étaient des disciples de Jésus, à un point tel que plusieurs historiens pensent que Constantin s'est converti par pression. C'était rendu la norme, c'était rendu la majorité. Il a dit, oh, moi aussi, je suis chrétien, moi aussi. Comment ils ont fait ça? Comment le message de Jésus s'est répandu de cette manière à une époque où il n'y avait rien, là? Il n'y avait pas de bâtiment, pas d'Internet, pas de YouTube, pas d'Instagram. La réponse, c'est ceci. L'Évangile s'est répandu une maison à la fois, une table à la fois. Qu'est-ce qui pourrait se passer si on se mettait à pratiquer l'hospitalité, l'amour de l'étranger? Alan Hirsch a dit ceci. Si chaque famille chrétienne dans le monde offrait une bonne hospitalité conversationnelle autour d'une table une fois par semaine avec leurs voisins, nous mangerions notre chemin dans le royaume de Dieu. Il dit, « We would eat our way into the kingdom of God. » Hirsch dit, « Hey, si on se met à pratiquer ça une fois par semaine, tous les disciples de Jésus, le monde va changer. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Les gens les plus réfractaires, les gens les plus durs envers Jésus pourraient peut-être entendre le message de Jésus. Des gens qui ne mettront jamais les pieds dans une église pourraient entendre le message de Jésus, ou mieux encore que l'entendre, voir le message de Jésus incarné en chair dans la vie d'une personne, comment il traverse ses épreuves, comment il traverse la vie, comment il pardonne, comment il apprend à aimer ses ennemis, comment il apprend à être généreux envers les autres, à ne pas être centré sur lui. Il peut le voir manifesté en chair dans la vie de quelqu'un. Rosalia Butterfield est une auteure formidable. Cette femme-là était une anti-chrétienne convaincue. Et elle avait écrit un article dans le New York Times, virulent envers les chrétiens. Puis il y a un pasteur qui a répondu à son article, il a écrit une lettre. Et sa lettre était articulée, mais remplie de grâce. Et dans sa lettre, il l'a invitée à manger chez lui. Il dit, viens. Et elle, il fallait de toute façon qu'elle fasse des rencontres avec des chrétiens pour écrire un livre. Elle était en train d'écrire un livre qui allait vraiment, vraiment bâcher sur le christianisme. Et elle a accepté l'invitation de ce pasteur-là. Et elle est allée une fois. Elle est retournée une deuxième fois. Il y avait tellement de grâce, il y avait tellement d'amour, il y avait tellement d'ouverture. Et cette femme-là, qui était une anti-convaincue, est devenue elle-même une disciple de Jésus convaincue. Parce que l'hospitalité, voici ce que ça fait. Ça transforme un étranger en un voisin et ça transforme un voisin en quelqu'un qui fait partie de la famille. Elle a écrit ceci. L'hospitalité ordinaire radicale, ceux qui la pratiquent, ceux qui la vivent, voient les étrangers comme des voisins et les voisins comme la famille de Dieu. Le meilleur endroit, là, pour connaître des gens, c'est autour d'une table. Le meilleur endroit pour dialoguer, c'est autour d'une table. Le meilleur endroit pour exprimer nos désaccords dans le respect, c'est autour d'une table. Le meilleur endroit pour partager le message de Jésus, c'est autour d'une table.
Comment on fait dans un monde post-chrétien rempli de bruit, suroccupé? Comment on fait pour partager aux gens la vie qu'on a? Une personne à la fois, un repas à la fois. Quand on entre dans cette vie-là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient abattre les murs. Il y a tellement de murs. Les murs qui ont été érigés entre les humains, les murs entre les peuples, entre les couleurs, entre les classes sociales, entre les cultures, entre les religions. Jésus, c'est ce qui nous unit. Alors moi, je rêve d'une église. La chapelle, je crois que si on veut entrer dans l'appel de Dieu pour nous, il faut que notre église commence à pratiquer une hospitalité next level. Il faut que des gens chrétiens commencent à manger avec des gens non chrétiens. Que des gens blancs mangent avec des gens noirs. Que des hispanophones mangent avec des Africains. Que des jeunes mangent avec des matures. Que des végétariens mangent avec des McDonaldiens. Que des artistes mangent avec des gens qui travaillent sur la construction. Que des célibataires mangent avec des familles. Que des gens qui sont à la fine pointe de la mode mangent avec des gens qui savent même pas qu'il y a une mode. Ça, c'est moi. Des gens riches qui mangent avec des gens pauvres. Des gens de la gauche qui mangent avec des gens de la droite. Des gens de Montréal qui mangent avec des gens de Québec. Des gens chrétiens qui mangent avec des gens musulmans. Il faut que cette mentalité de « eux » contre nous puisse être brisé dans le nom de Jésus. Jésus est venu abattre les maisons. Nos tables, c'est un endroit où on doit pratiquer l'hospitalité. Je termine bientôt. J'ai cette pensée que d'un auteur qui s'appelle Sky Jethiani. Et lui, il fait remarquer dans un de ses livres qu'en fait, le mot hospitalité, la racine de ce mot-là, c'est la même racine que le mot hôpital. Et qu'un hôpital, en fond, dans le fond, c'est la maison des étrangers, la maison des étrangers. Et il dit ceci à propos de l'hospitalité. Nos maisons doivent être des hôpitaux, des refuges de guérison qui rayonnent à la lumière du ciel. Et nos tables à manger doivent être des tables d'opération, l'endroit où les âmes brisées sont restaurées à nouveau. Ta maison, c'est un hôpital. Ta table, c'est une table d'opération pour que des âmes brisées puissent être restaurées à nouveau. Comment atteindre les gens dans un monde post-chrétien? Par la pratique de l'amour de l'étranger. Par la pratique de l'hospitalité. Voici mon application pour nous. Il y a deux facettes à appliquer à ce message-là. Premièrement, l'hospitalité dans l'Église. Il y a plein de gens dans l'Église qui ne te ressemblent pas et tu as tendance à toujours aller manger avec les gens qui te ressemblent. Il est temps de sortir de la coquille et d'aller manger avec des gens qui sont différents de toi pour pratiquer l'hospitalité. L'amour de l'étranger. Deuxième application, c'est de pratiquer l'hospitalité envers ceux du dehors, envers ceux qui ne connaissent pas Jésus, envers nos voisins, envers nos collègues de travail. Cherchez intentionnellement l'étranger. C'est pas juste, si ça arrive, si j'ai une occasion. Non, exercez l'hospitalité. Le mot exercer, c'est cherche des occasions. Pratique-le avec insistance, sois intentionnel, exerce-les, cherche les opportunités de manger avec l'étranger, le collègue de travail, la personne qui ne connaît pas Jésus, le voisin. Cherchez ces opportunités et avoir un moment où on crée un espace qui va permettre à la présence de Dieu d'agir, de guérir et d'amener des gens dans le royaume. Dieu, que Dieu nous aide à être une église qui pratique l'amour de l'étranger. Laissez-moi prier pour nous. Seigneur, je te prie pour une église qui entre dans un nouveau jour. Seigneur, qu'on comprenne
que cette pratique de l'hospitalité peut changer le monde. Seigneur, que tu remplisses nos cœurs, qu'on ne soit pas dans cette mentalité de eux versus nous, mais que tu remplisses nos cœurs, Seigneur. Comme Wesley a dit que le monde est ma paroisse, qu'on soit rempli d'amour, Seigneur, pour l'autre, pour l'étranger, et que tu suscites en nous ce désir, Seigneur, de pratiquer l'hospitalité, et que tu puisses, Seigneur, nous sortir de notre confort, nous sortir de nos craintes, nous sortir de notre xénophobie pour pratiquer l'hospitalité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Commence à le pratiquer cette semaine. Va vers quelqu'un d'étranger. Peut-être quelqu'un dans l'église, premier step plus facile, quelqu'un dans l'église, quelqu'un en dehors de l'église pour pratiquer l'hospitalité. Maintenant, louons et adorons le Seigneur ensemble. À la chapelle, on va louer Dieu ensemble. On va lui apporter notre adoration. Leurs
Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime.
Merci à David pour ce message. Ça me donne le goût de vous inviter toute la gang chez nous. Non, mais sans farce, je pense qu'on peut tous faire un effort pour ouvrir la porte de nos maisons et pas juste à des gens qui nous ressemblent. Pour faire ça, il faut commencer par connecter avec du monde autour de nous. Il y a plusieurs façons de connecter avec les autres à la chapelle. Premièrement, il y a l'Église en personne, tous les dimanches à Montréal, à Québec et à Gatineau. Je t'invite à pas seulement te tenir avec ta gang, mais d'aller vers des gens que tu connais moins. Il y a nos 5 à 7, nos petits groupes qui se réunissent en semaine pour étudier la Bible et prier ensemble. Enfin, on a aussi notre réunion de prière matinale les mercredis matins à 7h30 au bureau de la chapelle. Tous les mercredis, il y a une trentaine de personnes qui sont là. Merci à tous ceux qui sont généreux semaine après semaine. Sans vos dons, on ne pourrait pas vivre l'Église en ligne et en personne dans 3 villes différentes. Ça nous permet aussi d'avoir un programme adapté pour les ados et les enfants et de faire une différence autour de nous avec notre partenaire J'aime ma ville. Tu peux donner de façon automatique par l'entremise de notre site web ou de notre application mobile. C'est facile, sécuritaire et ça nous aide vraiment. Merci d'avoir été là aujourd'hui. La semaine prochaine, on continue la série « Nous » dans toutes les chapelles. Tu peux réserver tout de suite ta place si tu veux être avec nous en personne à Montréal, Québec et Gatineau. Mais là, on se rejoint dans l'after. Tu peux trouver le lien sur le site web. Bonne semaine!